Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Une bouche ouverte à la rue qui nous fait chanter quelquefois des souvenirs qui nous remuent. Y a des sentiments qui résonnent, page noire de l'histoire de France. Y a des petites idées qui dansent, ça y est, nous voilà à Charonne. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On s'y arrête quelquefois. Rue des Boulets, Charonne, Voltaire, en 62, c'était la guerre. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Quand j'entends parler de Charonne, j'entends des cris, j'entends des voix, le fascisme ne passera pas. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Un jour de manif à Paris, un jeudi noir, il faisait froid, les journaux titraient Algérie. Les Charonne, c'est un métro, c'est quoi? La nuit tombée, ils étaient là. La manif était interdite, pendant la guerre, pas de politique. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Pour des militants ouvriers, que ce soit ici ou là-bas, contre la guerre, faut résister. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On était loin de la bavure. La police avait tous les droits, carte blanche de la préfecture. La police a cogné, jeté dans la bouche ouverte à la ville. Massacré, piétiné, frappé, écrasé sous le poids des grilles. Charonne, c'est un métro qui saigne. Les cris, les voix, les hurlent encore. Les larmes des lacrymogènes, trois filles et six garçons sont morts. Charonne, c'est un métro, c'est qui? Quand j'entends parler de Charonne, c'est la Palestine qui résonne et l'Algérie, celle d'aujourd'hui.